Et
Comme
yo te continue à poser des questions, l'Église dit, moun qui sans péché en famille, c'est lui-même qui vous voyez ressoumé en premier. Nous pensons encore qu'il a pris à terre. L'aigle, tandis ça, nous battons une après l'autre. Commencer à sacrifier dans mon Dieu. Jésus me dit qu'on dit avec madame dans le temps. Jésus et Paul lui dit, madame, quand est-ce que tu as baptisé? Personne ne m'a condamné. Lui dit, personne non même. Jésus dit, moi-même, moi. Allez, pas faire péché. On nous fait moins chaque compliment ou par autre quand même temps. Les plus émouvantes
de la prédication de Jésus que nous racontons les évangiles. Le récit de la parole de Dieu que nous venons d'entendre est comme une photographie, un reportage sur le livre que les apôtres ont retenu et que Saint-Jean a écrit dans son évangile. Dès que nous sommes au niveau de photographie ou de reportage, nous sommes en plein au niveau de la communication. Au niveau de la communication. En tant qu'étudiant en communication, vous connaissez mieux que moi les grandes définitions de la communication. Au sein de la société moderne, les moyens de communication sociale ont un rôle majeur dans l'information, la promotion culturelle et la formation. Ce rôle grandit en raison des progrès techniques, de l'ampleur et de la diversité des nouvelles transmises, de l'influence exercée sur l'opinion publique. L'information médiatique est au service du bien commun. La société a droit à une information fondée sur la vérité, la liberté, la justice et la solidarité. Le bon exercice de ce droit veut dire que la communication soit, quant à l'objet, toujours bénéfique et dans le respect des détenteurs de la justice et de la charité complète. Qu'elle soit, quand au monde honnête et convenable, c'est-à-dire que dans l'acquisition et à la diffusion des nouvelles, elle observe absolument les lois morales, les droits et la dignité de l'homme. Seulement avec l'élément salaud, moi je voulais parler ensemble avec nous-mêmes, jeunes, camarades et courriers de message clair, ben, tout le monde. À partager vos informations avec l'ensemble de la population. Tout le monde qui, de façon académique ou bien intellectuelle, a exercé un métier qui est en rapport à la population. Journée de l'IA, frère, ensemble avec ce Dieu, nous-mêmes qui avons créé, nous constatons que la communication qui a supposé nos outils qui sont capables pour aider les pays nous à développer, pour aider les communautés nous à développer, pour aider les sociétés nous à développer, nous avons tendance que nous mal utiliser tout ça. Et nous-mêmes, nous avons la question de à l'exemple de si la loi est dénoncée, nous, il permet de vous dire pas bien l'école ça dans le département. Nous supposons utiliser moins ça à connaissance. Ça veut dire qu'on utilise l'aide, nous pouvons utiliser pour ça qu'a fait dans le bouchon à travers radio ou bien ça n'a pas écrit, c'est vérité qui l'a donné. Ça n'a pas écrit, c'est justice. Nous n'avons pas écrit la donne. Tous les jours, nous constatons qu'il y a une série de
qui utilisaient micro, nos radios, sur les réseaux sociaux, non seulement où il y a des réunions, mais où il y a des pays. Et comme avec le Seigneur, dans un pays, communication est pourtant en pile. Parce que ça, ou maintenant, c'est ça le marché. Amen. Qui en pile pays dans le monde, malheureusement, capable plus sale qu'Haïti, qui en pile pays dans le monde, qui capable plus bandit qu'Haïti, mais le fait que chaque jour, nous sommes de monde dans pas outil. Depuis le mon téléphone Android, le journaliste, c'est une image dans fait boss. Il y a une plus sur Facebook avec YouTube, il y a pas de pays. Aucun monde pas prendre aucun pays pas prendre. Et c'est qui va ça? Moi, je voulais vous dire, nous-mêmes, qui l'a regardé maintenant. Et dans nous, c'est tellement, moi, je fais une séance ensemble avec vous. Si vous voulez un message dans la vie de côté, que vous expliquez à Dieu, vous voyez. Liba, le fait des images, une sable à l'aléa. Parce que, il y a une série de journalistes, il y a plus à prendre un sac négatif, comme je vous disais. Au lieu, pour y avoir un niveau, pour genre d'information, pour donner qui ça peut faire dans telle ou telle situation. Nous savons, sur des taux de vide, il y a fait plus de constance. Même si nous-mêmes dans la communication, nous avons travaillé dans n'importe quel domaine de la communication. Il y a un travail comme journaliste sportif et nous connaissons aussi des journalistes sportifs qui plus vendent et qui plus vendent les gens qui va ouvrir le CA qui va nous ouvrir ici. Et nous avons dit que l'école là va être là. Et mais si vous avez fait une école, et puis il est là, il est en train de faire des et jusqu'à la fin, la première école, et vous venez dans l'école là. Ça veut dire, l'information dans le là, nous supposons attendre, ce n'est pas l'argent pour nous miser. Ce n'est pas ça que nous avons besoin pour mettre nos poches. Même si, en plus de quoi, c'est ce que ça nous fait, c'est ce que ça nous fait pour nous cacher. Chercher la bagaille, pour nous monter la caille, pour nous chercher les moyens, pour nous payer et faire nous avancer. C'est ça que nous disons dans cette affaire, c'est vérité qui peut être vérité. Maintenant, ma chance, c'est vérité. Et vous là, qui est le droit de temps, et nous sommes Barcelone, et qui est approché à Barcelone, n'est pas qu'il y ait des dangers pour les Allemands. Pendant que nous avons traversé au descendant, nous allons créer des stations. Les salariés en ligne, mais nous sommes dans la salle d'affaires. Et au niveau de nous-mêmes, qui va faire du travail dans la radio, qui va faire une émission à notre public, côté, nous allons dénoncer les dérives qu'a fait la société pour nous passer. Avec les missions salées pour nous craser notre monde. Pour nous dire des bagailles qui par conso, par billet, les nous faisons citer une série de faux informations sur nous. Informations à l'aide. Ou même si nous avons l'ordre de séparer, mais nous, par exemple, nous avons tout de suite mal salé pour nous, les consortiers. Faut m'en faire sérieux. Nous-mêmes, nous avons craqué le dia. Faut nous connaître, communication, c'est une âme. C'est une âme qui est puissante. Même ça, avec les âmes libérées dans le monde. Les âmes libérées, comme nous battons, c'est une communication comme nous disparaissons. Et les gens qui ont dit, plusieurs vous nous racontent. Et il faut qu'on puisse avec l'information en bas, il faut qu'on puisse avec sa nature. Même si nous-mêmes,
nous allons faire exercer ces questions, nous comme ça quoi. Mais il y a aussi que le monde, c'est nous à chercher. Il y a beaucoup de paroles pour lire avec les paroles et nous faut dire, sont pas bénis. Faut qu'on utilise des langages codés. Parce que le maintenant, nous ne pouvons pas être pour ça, pour nous pas comprendre, pour pas comprendre. Et la parole pour évoluer, c'est parce que nous sommes des livres, pays noirs, pays d'Haïti, après on est une évolution, c'est un plus monde qui a utilisé la communication mal. La communication qui ne va pas en soi est au service d'une authentique culture de rencontre. C'est ce qui aime ça. L'idée parlait dans l'année 2014, un projet mondial de communication sociale. Pape François, que nous n'avons plus dans le monde, côté nous vivons plus rapprochés. Et développement technologique et nous rapprocher du plus qui fait que mon nom au niveau de mondialisation qu'on y a parlé de 7 à 8 millions de voisins. Dans le fil, avec un 7 appel téléphonique, nous capables de monde qui en Asie, qui en Océanie, et nous parlons sans rien. Après, dans le moment où on a mis entrer dans le pays, qui a créé un peu de peur, si ce n'est pas de communication, nous avons dit, Haïti est là pour nous, pour dire qu'on a mis à exister. Mais grâce à la communication, personne n'a arrivé, nous connaissons. Nous faisons prudence et grâce à Dieu, nous ne sommes pas plus utiles parce que ça. Nous ne sommes pas plus utiles parce que, en fait, nous nous disons, nous gagnons le soleil à protéger nous, mais parce que en plus de nous, nous avons plus de dans la guerre là que nous avons dans nos vies là. La communication est destinée avant tout à la consommation ou à la manipulation des personnes. Nous sommes confrontés à une agression violente. Et à question, des fois les assistants et les vols dans la joie, la poussée de la, la soule de la, ils ne vivent pas rien de ce que c'est. Et la manifestation, c'est le plat qui prend la bouche, c'est au bout de la bouche. On peut voir les manifestations de la, le plat de la manifestation. Et si on allait, maintenant, si on va mal, le militant, il n'y a pas mal. Non, l'évangile ça lit. Non, c'est qu'il y a des méchants. Non, c'est que la grâce ça nous est là, dans le Seigneur. Libérez-nous en face. Nous coupons qui vivent, fait une racontage par Jésus. Nous menons une femme, nous qui vivons à l'intérieur. Nous qui vivons à l'intérieur. Et là, je vais nous donner un article là, d'après la voix de Moïse, nous sommes sujet à la relation. Et comme avec cette eau, pour ça que nous faisons en termes de communication, ça nous donne un conseil là. Il n'y a pas comme Jésus posé aux questions pour dire Jésus, Jésus a demandé qui ça a fait avec la main. Il y a tout partagé l'information au sein de Jésus. Il y a dit, nous, nous devons un article, mais qui ça qui est le tout bas de l'information. Est-ce que pas comme ça? Oui, vous dites, vous dites ça. Ça veut dire que vous avez l'information déjà. Et vous dites, et vous-même, qui ça? Vous pensez que vous êtes capable de faire ce que vous avez fait? Parmi les sujets, vous êtes piégé. Nous mettons dans le tribunal ici, nous mettons dans la même affaire, en plus, vous êtes capable de chercher piégé nous. Et vous êtes capable de chercher piégé nous. Quand vous avez un petit enveloppe, nous avons un petit chèque, et le chèque ça pour l'enveloppe là, lui-même, un petit mot, parce que ça, nous-mêmes nous battons avec lui. Et si
rentrer dans la malice ça et ça, après ça, nous fait après-midi à l'église, il va prendre en y, parce que c'est ça, comme ça, l'éducation. Pas le faire de ça pour l'argent, parce que c'est l'argent qui est. Et information de la Jésus, de Jésus, la loi pour nous a dit, c'est pour l'amener. Et vous-même, qui s'arrête? Jésus, Carrie. Et en théologie, Haïti, on s'y fait pour de paix, Monseigneur Colimou, tu as commenté par sa réalisation avec nous. Tu as parlé. Ici, femme ça, le revenu de la Jésus-là, ça n'est écrit des créateurs, mais ça n'est pas écrit des créateurs, côté garçon. Nous étions les filles dans la tête, nous venons ça, côté garçon. À qui est-ce qui fait la terre? À qui est-ce? Côté garçon. Nous connaissons. Tradition pour la péché, ou bien faut être plus tombé sous fille, sous mesdames, si tu manques à la terre. Garçon, mais c'est qui a été capable de ça. Et Jésus, gardez encore la boumonée, Jésus, des plans, et il lui a donné. Les hommes de Suez, pour le parti de 14, ils ont fait des pieds devant, collés au plan, pas collés au plan. Parce que si Jésus dit de la vie de Dieu, si Jésus dit de la vie de Dieu, pour tous ces petits mondiers, et pour afficher la violence, si Jésus dit pour ne pas la vie de Dieu, Jésus dit, pour les signes de loi pour les âmes, pour les âmes. Jésus dit non, piège, collé au plan, pas collé au plan. Et nous-mêmes, comme nous avons dit, nous avons piège. Nous avons un piège. Même nous, nous avons travaillé en médiation avec toi, nous avons un piège pour nous. Mais il faut nous prendre des gens pour nous sortir. Il faut nous donner une stratégie pour nous sortir là-dedans. Jésus, coupé, il a dit, il dit, c'est mon sacré. Moun qui par péché voulait donner au prochain. Bâti-nous, par vos proches. Bâti-nous, il va mériter la libération. Bâti-nous, pour ne pas appliquer la loi pour ça. Mais si nous-mêmes, nous ne pas jamais faire péché, voulait donner au prochain. Alors, si nous-mêmes, nous sommes capables à placer Jésus ça. Nous-mêmes, nous avons la paix. Nous avons la paix. Avec une qui réserve plus ça, qui réserve en plus dans nous. Parce que tout nous sommes pécheurs. Et vous allez, vous avez l'autre. Vous allez, vous avez l'autre. Vous allez, vous avez l'autre. Jésus dit, il y a. Vous voyez, vous avez condamné. Pardon, bon Dieu, miséricorde, bon Dieu, quel souci, bon Dieu, il a tout et il dit, allez, pas péché encore. Ça, on va dire, on finit, nous-mêmes, capables de faire des choses, nous, capables de faire des erreurs, nous capables de faire des erreurs, mais nous ne pouvons pas payer dans les erreurs d'affaires. Il faut que vous parlez là-dedans. Ça arrive de tenter. Si vous avez la fin de la machine, nous prenons la machine là. Mais est-ce que vous pensez que j'aime bien le sortir pour faire nous parler des machines du coup? Pour faire si ma petite sert pour notre travail et d'un coup des machines du coup? Mais si vous venez dans une machine du coup, vous négligez la paix. D'accord, vous même pouvez être là, et puis c'est que nous, tout ça, le fait en Dieu,
supposé bon. Et finalement, on t'a senti pour dénoncer. Tout d'un coup, on t'a dénoncé, on m'a dit en travail. Parce que ça, tout le chef de votre barreau, on va aller dans la sous les réseaux sociaux. Attention, pas capable. Créons malé. Nous-mêmes qui vivons sur le côté, nous supposons que c'est le monde qui a créé, qui est communication, qui a créé, qui est pour que ça soit choisi ça. Et faire en sorte que nous reconnaissons chaque jour. Communication, c'est une vocation. Tout médecin, c'est une vocation. Et toute vocation, c'est une place pour délivrer le monde. Et c'est pour pouvoir pour lui-même être capable d'éclater la table. Mais nous, pour nous travailler, pour travailler notre façon, notre agir comme professionnel, pour nous aider le visage pays pour changer. Je dis ça, plus que jamais, nous qui nous pays pour nous sauver, nous qui une nation pour nous sauver, une nation qui prend en bas de Bonzi, pas seulement Bonzi, Matissan, qui est à l'église. Mais une nation qui prend en bas de main une bandit qui a réversé, qui a fait peur dans le monde. Bandit qui a parlé dans la radio chaque jour. Nous n'avons pas besoin de ces lignes qui là pour nous foutre. Nous qui disons les là, c'est lui qui est là. Nous ne pouvons pas voir, monsieur, il y a des seulement. Mais nous ne pouvons pas voir si ça nous fait même penser à nous. Il est même pensé créer une massa pour une certaine personne qui a appelé dans le pays. Nous venons comme journalistes, pour dénoncer la caïsaïe, pour dénoncer. Pas qu'il y ait des gens manipulés, pas qu'il y ait des gens qui nous voulaient, parce que nous sommes, c'est pour nous faire ça. Pour nous faire ça, sembler avec le pays côté pour dire quoi, on a pas de justice. Remets, respect, partage. Amen. Thank you.
pour notre communauté paroissiale, marche vers la scène, vers la solennité, afin que ce temps de prière et de méditation nous ouvre nos cœurs à l'espérance. Prions le Seigneur.
Bonne journée et bon succès pour vous.
de vous présenter le maître de la cérémonie de la deuxième partie. Il s'agit de maître Joël Sénat. Soit l'applaudissement, mesdames et messieurs, que nous l'avons. Voilà, bien le monsieur, c'est notre professeur là-bas, c'est notre professeur là-bas, maître Joël Sénat, et l'enseignement anglais et ensuite l'espagnol à cette tête. Merci. Merci. Thank you.
Vaillant compagnie du clair,
le nom que porte votre promotion 2019-2021. En palette et du clair, Dinette est née à Chital le 31 octobre 1987. Elle est la quatrième d'une famille de 5 enfants. Elle a fait ses études primaires au collège Saint-François d'Assise, à Bénaud, et ses études secondaires au collège Saint-Jean-Bertrand. Après avoir terminé ses études en 2007, elle s'est rendue à Port-au-Prince pour ses études universitaires, et c'est là qu'elle avait commencé à vivre pour l'esprit. C'était la famille des technologies, là où elle a étudié les phénomènes sociaux, les faits sociaux, ainsi les comportements. Lady était une sociologue. Pendant son passage à l'écologie, elle était dynamique et s'intéresse au monde de vie du peuple haïtien. Sa chère patrie, cette femme battante, cette femme, ce droit qu'elle revêt, c'était une société équitable, là où tout le monde serait traité avec beaucoup d'équité. Elle prenait de la justice sociale. Et mon ami, elle se battait jour et nuit et n'était pas peur de vivre et même de la mort. C'est pour ça qu'il t'a bataillé pour l'amour à liberté. Il t'a toujours dit, moi, fille, pour l'amour à liberté. Moi, je veux dire que moi, je bataille chaque jour pour tout le monde qui a connu l'amour. Vive pour être existant. Moi, avec plaisir, nous avons plus de 20 ans d'amitié. 20 ans qu'on nous fait travailler. Merci. Antoinette Duclerc, c'est l'amour personnel. Alors, je conclue ici pour vous dire que porter le nom d'Antoinette Duclerc, vous avez devant vous la vie. La lutte en permanence. Alors, battez-vous pour un meilleur quotidien. Je pense que ça qui va justifier votre adéquation du nom de la promotion d'Antoinette Duclerc. Merci. Mesdames et Messieurs,
le centre d'éducation et de formation technique de CAE, CEPTEC, a été fondé dans un contexte particulier par le canton, ayant marqué du moins indélébile son passage de la presse haïtienne. Plusieurs générations de journalistes et de communicateurs sociaux y ont été formés. Son histoire est singulière. L'honneur en effet en cet événement solennel de retracer son histoire. C'est en 1999, au moment où les dérives de la presse s'envenimaient de plus en plus, les métiers de réceptionniste de bureau et de secrétariat étaient très en vogue par rapport à certains domaines médicaux. Le feu, Joseph Cerisier, dont je suis la progéniture, eut l'idée de fonder un centre de formation répondant aux exigences de l'heure. Au prix de multiples sacrifices, notamment personnels, ce rêve s'est concrétisé. Après 23 ans, les choses n'ont pas été toujours roses. Bien des périodes épineuses ont marqué son existence, mais en dépit de toutes circonstances, 17 causes y sont déjà mises. Rendre accessible une formation en adéquation avec les conjonctures sociopolitiques et économiques, tel a été le principal objectif que s'était fixé le fondateur du centre. Ainsi, a-t-il mis sur le marché du travail, grâce à des formations spécifiques, des journalistes spécialisés en plusieurs domaines, dont droits humains, environnement et culture. Parallèlement, la section communication et animation sociale suivait son cours. Toutefois, pas au même rythme que celle en réceptionniste de bureau qui a dû fermer ses portes, faute de la baisse de demande sur le marché de l'emploi. Les mouvements politiques de 2003 à 2006 ont impacté le fonctionnement du centre, mais pas au moins de l'édition. L'ancien directeur a tenu ferme et sa détermination a créé. Aujourd'hui, les diplômés du CEPTEC sont éparpillés dans le monde, offrant de nobles services aux communautés auxquelles ils prennent part. Car les Nations Unies dans d'autres continents, directeurs de médias, correspondants de médias nationaux et internationaux, consultants en communication, directeurs de relations publiques dans certaines entreprises, agents de terrain et mobilisateurs communautaires de les ONG, agents de marketing, défenseurs des droits humains, animateurs, ils sont dans toutes les sphères d'activité, l'enseignement, le commerce, le secteur privé, le secteur public, les autres. À l'instar des autres centres de formation de la région, le CEPTEC a été, au cours de son existence, victime de perceptions liées au contexte sociétal et culturel. Pour plus d'un, il était considéré comme un patrimoine pluridimensionnel, certes, mais circonscrit dans une mentalité déterminée caractérisée par la conception de l'école en dehors, l'école capitale, journaliste capitale, journaliste province. Mais heureusement, jusqu'ici, les diplômés du CEPTEC ont su faire la différence par leur savoir-faire et je crois être l'un des. Le pire moment ayant marqué le vécu du CEPTEC est si proche de nous, c'est comme si c'était hier. Février 2020, le directeur fondateur du centre, mon père, Joseph Cerisier, s'est spontanément détaché de notre affection. Ce fut un cauchemar dont les séquelles seront pour toujours. L'idée de toujours bonne vie est faire, même si nous
ça dans la encore. Nous avons aimé que l'école a toujours existé. Parce que c'est une vie, tout le temps, avec toute connaissance qu'il a. Après son départ physique pour le-delà, faire fonctionner ses frères était le seul moyen de garder Joseph ce que c'est toujours en vie. Comme aujourd'hui, je le vois présent en moi, en le comité exécutif, en cette fils et fille, en cette promotion sortante et en la prochaine promotion qui porte emblématiquement son nom. Oui, il est temps. Après l'organisation des funérailles de l'ancien évêque au marché des pères, il a fallu monter un comité pour prendre les règles de ses pères. Il aurait aimé, bien sûr, que ce soit moi qui gère le centre, mais la décision de sagesse était d'avoir un comité élargi, indépendant. Depuis, le directeur Richard Jean-Baptiste, comme figure emblématique de la presse moderne dans le sud, Wilson Chevissier Nana, ancien étudiant du centre, responsable pédagogique, Fouqueux pour sa bonne cause, Maître Villers-Juin, ancien professeur et conseiller de Joseph Chevissier de la jeunesse du centre, font jusqu'à présent œuvre privée. La réalisation de cette cérémonie de graduation, la première après la mort du fondateur, en est une bonne. Merci à vous, messieurs, d'avoir gardé en vie ce patrimoine que Joseph Chevissier a légué à la communauté. Merci à vous, cadres du département, doyens, patronniers, commissaires, écrivains départementaux, citoyens engagés en vos honneurs, dignités, dignités, respectés, qui mettez vos connaissances au service. Même si je suis un peu distant, sachez que je suis réjoui de savoir que mon père est en vie à travers cette terre. Cette terre a fléchi, mais de cette âme, au contraire, il a grandi. Que sa âme continue de briller, que l'esprit de Joseph Chevissier lui serve de combustible pour qu'elle reste toujours dans la vie. Quant à vous, cher gradué, merci de n'avoir pas abandonné cette terre en ce moment dramatique et chaotique de l'histoire. Au contraire, votre motivation nous a servi de leitmotiv pour faire renaître cette terre de cet épisode sombre. Aujourd'hui, vient enfin la moisson. Soyez en aise et cette terre est fière de vous. Merci. Les membres du conseil des droits.
de certains, le corps électoral, distingue les invités, les membres de la presse. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous à cette grande cérémonie. La formation professionnelle a une importance capitale dans une société. Il nous faut des professionnels, des gens formés afin d'aider au développement même de la nation, au développement du pays. Je salue le courage de chacun de vous résidents. Vous êtes maillon de la chaîne. Et votre présence ici, dans la communauté professionnelle, face de la communication, ce qu'elle doit être en Haïti. Je vous félicite, je vous salue par le plus le courage de chacun de vous. Durant notre parcours professionnel, surtout avec la mort
et nous, la promotion, entre les élèves, permettons de faire la différence. Je tiens en premier lieu à remercier le Seigneur pour la vie et la santé. Un grand merci à M. Wilson, sur ici, et à la pour ce multiple effort et sacrifice consenti pour que nous puissions aboutir à ce résultat. Merci à la secrétaire, Mademoiselle Brigida Luna. Merci à Mère et Père sur ici. Merci à l'Assemblée du corps. Nous ne pouvons pas passer au bout des parents, amis, familles qui nous ont soutenus tout au long de ces années. Un grand merci à vous. Avant de nous séparer, je tiens à vous souhaiter, chers gradués, bon succès sur le marché du travail. Merci. Consisterait d'abord en des mots d'encouragement
des conseils salutaires et un appel solennel au grand public, cette auguste assemblée qui nous écoute, qui nous assiste et qui nous regarde. Des mots d'encouragement à l'endroit de la vaillante et valeureuse équipe assurant le management du secteur. Des conseils salutaires à ce peloton de messagers qui sont à la croisée d'horizon de formation continue et l'entame d'exercice de la vie professionnelle. Et enfin, un appel sur la gêne au public, particulièrement à la jeunesse du Grand Sud, assoiffée de repères. Venons-en rapidement au premier mandat des mots d'encouragement au staff directoire de cette terre. Le Grand Sud, à travers les universités de la capitale, avait besoin d'une institution où les jeunes peuvent faire acquisition de bagages et de connaissances capables de leur permettre d'atteindre la plénitude de leur être. On a assisté au propos de M. Edgar Cerisier, fils du père fondateur. Un homme dont la vision a transcendé le temps et l'espace, un homme qui a su réaliser que ce qu'on fait pour soi disparaît avec soi, mais ce qu'on fait pour les autres demeure éternellement. Et c'est dans cette visée, dans cette compréhension de l'existence, dans cette compréhension de la vie, qu'il a pu installer et implanter cette institution qu'est le secteur. Il est parti pour l'au-delà, mais son œuvre continue grâce à cette vaillante équipe. Mesdames, Messieurs, qui assurent l'intérêt, qui assurent la continuité de cette formation, je vous dis chapeau, je vous dis bravo et je vous encourage à rester sur cette même trajectoire, la trajectoire de l'excellence, la trajectoire de continuation, la trajectoire de porter haut le flambeau de cette terre. Dans ce deuxième temps, je tenais également à passer un demi-mot à qui se conseille salutaire à ces récipiendaires qui sont à la croisée de formation continue et l'entame d'exercice professionnel. Écoutez-moi, la vie de l'homme pour être efficace et efficiente doit se baser sur un savoir tridimensionnel. Le savoir en termes de bagages, en termes de connaissances, tout d'abord, le savoir être ensuite, et le savoir faire. Soyez polémique, soyez gourmand de la connaissance. Ne vous mettez pas en tête ce diplôme que vous allez recevoir d'ici quelques instants, c'est le paroxysme, c'est l'apogée de toutes les connaissances que vous avez acquises, de toutes les connaissances dont vous aviez besoin pour fonctionner professionnellement. Si vous avez pensé de cette façon, vous vous trompez énormément. Il y a ce fameux adage latin qui nous dit que « ars longa vita brevis ». Et dans le vernaculaire de notre parler local, il est dit pas ni qu'on est, pas j'en suis plein. Donc, en tant que journaliste, en tant que communicateur social, la connaissance n'est pas une destination, la connaissance est un perpétuel voyage. Soyez libre, soyez gourmand de la connaissance. Et lorsque vous vous comportez ainsi, vous vous comportez
comporter comme intelligent. Moi, j'avais réfléchi et j'avais écrit cette pensée que je tenais à vous partager au cours de ma présentation. Pour moi, il n'y a pas de con. Pour moi, le con, c'est celui qui, dès sa naissance, ignore la connaissance. Donc, soyez assurés, soyez toujours déterminés, soyez toujours persévérants dans la quête de la connaissance, qui est le premier niveau, qui est le savoir. Mais au-delà de cette connaissance que vous allez acquérir, il y a l'être, il y a le savoir-être. Ce n'est pas ce que vous êtes, ce n'est pas le titre que vous avez, ce n'est pas les diplômes que vous détenez, ce n'est pas les qualifications que vous avez acquises qui importent le plus, mais ce qui importe le plus, c'est ce que vous êtes. L'ancien président français Jacques Chirac, s'adressant à des professeurs, il a fait cette déclaration que je voudrais vous partager et que j'estime importante. L'enseignant n'est pas celui qui enseigne ce qu'il sait, mais l'enseignant, c'est celui qui enseigne ce qu'il est. Le vrai communicateur, ce n'est pas celui qui détient un diplôme, ce n'est pas celui qui a été au CEPET ou à la communication sociale à la faculté des sciences humaines. Mais le vrai communicateur, c'est celui qui a su acquérir d'abord les connaissances du domaine et ensuite a eu le comportement approprié dans ce domaine. Donc ce n'est pas ce que vous êtes comme diplômé, comme licencié, comme certifié, n'importe de plus, mais c'est ce que vous êtes. Ce n'est pas ce que vous faites qui détermine ce que vous faites. Ce n'est pas ce que vous faites qui détermine ce que vous êtes, mais ce qui détermine ce que vous êtes, c'est la manière dont vous faites ce que vous faites. Donc, mes chers apprenants, pour la plupart, s'il y en a qui ont été mes élèves, en ce cours que je dispense, cours de communication orale publique, je voudrais vous dire que ce pas, cette ligne que vous apprêtez à franchir, marque la fin d'un combat et marque également le début d'un nouveau combat. À chaque fois que l'on termine la course, commence une nouvelle course. À chaque fois que le combat se termine, commence un nouveau combat. Donc c'est dans cette perspective, je vous demande à mener à bien le combat de savoir-être. En tant que communicateur, en tant que journaliste, malheureusement, dans mon introduction, j'avais parlé de la présentation de l'homélie du père Célébrant qui malheureusement s'est déplacé. Je vous sonne à dur de mettre en application les conseils qu'il vous a prodigués. Ne soyez pas des marchands de micro, mais avec le micro, valorisez-vous. Avec le micro, montrez qui vous êtes. Avec le micro, faites la promotion pour des valeurs sociales. Faites la promotion pour des valeurs économiques. Faites la promotion pour des valeurs de changement. Ces valeurs qui peuvent vous donner de la valeur. Et je termine avec cette dernière partie qui consiste à adresser un vibrant appel à ceux-là et celles-là qui constituent cette auguste assemblée. Il y en a qui sont probablement des bacheliers, il y en a qui sont probablement des professionnels dans d'autres domaines, mais qui peut-être, ou à coup sûr, ont une vérité d'apprendre ce beau et ce noble métier, cette belle et noble profession qu'est la communication sociale. Donc je vous lance ce vibrant appel. Venez vous joindre aux responsables de ce pays. Venez vous joindre au corps professoral. Triez sur le volet pour vous donner une formation de qualité. Le département du Sud est détenteur de gens qui ont de bagages et qui peuvent vous donner de capacités, de moyens,
de vous mettre en valeur. C'est ce que l'on fait à cette lettre. Je vous remercie d'avoir prêté attention à ces quelques propos que je tenais à vous partager. Je vous dis bon succès dans votre carrière, dans cette carrière qui s'ouvre devant vous. Et je vous dis, soyez à la hauteur de la formation que vous avez reçue. Que Dieu vous bénisse.
du clair de toilette métier. Si cela ne vous dérange pas, j'aurais bien aimé demander au gradué qu'ainsi qu'à l'assistance de se lever pour un moment de silence. L'assistance est priée de se lever, s'il vous plaît. Pour un moment de silence, en mémoire de Monsieur Joseph Cerisier, le feu fondateur de cette petite institution, qui fut un icône pour le département du Sud dans le domaine médiatique et un éclaireur. Antoinette Bessie Duclair, une héroïne, abattue lâchement sur son champ de bataille, une vaillante femme, bourrée d'avenir, défenseuse et porte-parole du mouvement féministe, une valeur de plus du pays, s'est envolée sous les balles assassines de ses concitoyens. N'ayez pas peur du
Quant à vous, les femmes qui font partie de cette petite promotion, ne baissez pas les bras. Vous le savez déjà, il y a une carence de femmes compétentes dans la politique haïtienne. Je me suis dit, pourquoi on veut mettre souvent les femmes en second rang? Ils sont toujours oubliés si nous sommes la bonne raille, la matrice même de la société. Mes chers filles, je vous demanderai de vous fédérer. C'est très, 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 très important de vous mettre ensemble en association afin de mener les actions communes. Car vous avez déjà un nombre d'éléments très concrets qui prouvent que vous pouvez développer. Mais vous n'avez pas toujours la conscience collective et collaborative. Malgré les difficultés de puissance, les responsables de l'institution ont dû tenir leurs promesses tout en donnant une formation adéquate. C'est à vous de la préparation. J'adresse mes vives félicitations aux parents qui avaient consenti d'énormes sacrifices pour vous permettre de festoyer en ce moment si prestigieux. Chapeau au staff professoral, je connais et compétent, qui n'avait pas hésité de votre effort, malgré vos maigres salaires, de partager vos amis avec vos sujets afin d'assurer leur soif de savoir. L'éducation, dit-on, fait de l'être humain de l'orgueilleux, mais elle me pousse à une dimension de sagesse. Mes chers filles, vous avez bravé le danger pour arriver à ce niveau, mais ce n'est pas encore le cas pour vous. Il vous reste beaucoup de kilomètres à parcourir pour y arriver. Car présentement, vous devez vous armer de toute votre force et de détermination. En tant que professionnel, les difficultés seront toujours dressées devant vous parce que la vie est faite de vous. Quand vous aurez la chance de faire face à la réalité professionnelle, faites en sorte que vous soyez des travailleurs étudiants, car l'apprentissage n'a pas de fin. Il est un processus permanent. Allez, pas tomber. Parentez qui s'aille. Mais les têtes tout ensemble, entendons, mon épico, qui savent la faire pour nous lever à Haïti dans ma racine. Haïti malade, l'attendons pour nous balancer. L'attendons petit bio pour balancer pour les camper. Mais souvent c'est petit bio qui travaille. Haïti a femme. Haïti sont belles femmes. Nous belles femmes qui valent des chances. Nous belles femmes pour être petites qui ont toujours travaillé. Mais quant à nous, promotion sortante de cette terre, Antoinette, métis clair. Mettez femmes sur nous. Mettez garçons sur nous. Décidez enfin pour nous mettre tête nous ensemble. Pour nous changer la terre. Pour finir, Martino, bon combat, bon succès, bon combat.
crie en avant. Merci. L'éducation élève l'homme à la dignité de son être. Tout communicateur social a le rôle d'éduquer et de former. Nous, nous avons l'opportunité d'informer et former les jeunes. Comme la formation. Oui, former. Car la formation est l'essence même du journalisme. T, comme la technique. La technique est l'épine dorsale du journalisme. Sans elle, on ne pourrait parler entre le journalisme et la communication. E, comme efficace. Pour tout entendre. Donc, là, de la gestion des conflits, cela, au même titre, requiert la communication efficace. C'est comme communication, outil et création. Comme preuve, la division à Babylone a empêché la tour de Babel. Tout être humain est sujet à la communication. Par contre, le journalisme, le communicateur social, doit impérativement être le fil de la mise en œuvre. Avant tout, il ne faut pas oublier que le journalisme, le communicateur social, est un humain. Marine et Paris. Donc vous pouvez attendre
Et pour l'instant, c'est le Paris qui va passer, c'est beaucoup. C'est l'être hier, musique là-bas, c'est le loyer. Sans cette transcendance, on ne peut pas changer de vie.
on a besoin de changer la communauté. On a besoin d'un nouveau paradigme, un nouveau modèle. Un modèle qui puisse contribuer valablement à faire marcher notre société, en particulier le sud. Je vous souhaite bonne chance que le grand architecte de l'univers vous vienne. Merci. Thank you.
patrie froide. D'abord, le journaliste français écrit. Le but du journalisme n'est ni de déplaire, ni de complaire. C'est de remuer la pluie dans la plaine. La pluie est aujourd'hui le micro et la caméra. Aujourd'hui, nous avons un pays qui est transformé en faux. Faux politiciens, faux patriotes, faux professeurs, faux journalistes, faux docteurs. Il est temps pour changer tout faux en vrai. Laissez-moi n'a trouvé vrai politicien, vrai journaliste, vrai docteur, vrai professeur. Aujourd'hui, nous jouons des militants politiques qui ont parlé de la radio et qui même vont tête comme journalistes. Phénomène ça, grande presse là, faillit avec ces deux prestigieuses missions, former et informer. Fondateur ces textes-là, il était toujours une comme mission, recadrer presse là. Dans ce sens-là, on a dit Joseph Cerisier, merci et même ça. Quittez-moi pour encourager pour féliciter en pile autorité dans le département sud là, en particulier la ville de Caille, qui est en pile respect pour journalistes. Pour journalistes qui ont toujours à te respecter, m'a souhaité nous aujourd'hui à chercher respect nous. M'a parlé nous, respect nous, li pas vendre dans le marché, li pas vendre dans la maquette, moi souhaité nous. Rester dans le livre et la déontologie du journaliste pour nous capables de respect. Chapeau pour tout journaliste sérieux dans le pays, en particulier au CAI, qui rester dans le livre profession. Qui témoigne féliciter les journalistes ailleurs qui se produit cette tête, qui aimait et appliqué sa vie à prendre dans cette tête. Roosevelt Alessand, Winchell Augustin, Juliette Célestin, Kéter Cerisier, Hans Jean-Louis, Jordan Liberdieu, pour ne pas citer ça seulement. Je dis, maintenant devant le micro, la France est comme journaliste, il n'y a pas même qu'à faire 10 minutes à analyser, parce qu'il n'y a pas de matière pour ça. Mounsayo, dans une émission de 2 heures de temps, depuis 5 minutes, depuis 10 minutes, ils ont ouvert une ligne de téléphone pour être capable de demander mon réveil. Émission de sans fondement, sans ligne, sans éthique, sans déontologie. On ne peut pas changer une qualité de journaliste à sortir dans cette tête, puisque nous-mêmes, nous avons une formation. Il y a un paquet de journalistes qui dit qu'il y a frappé les gens dans la radio. Moi, j'ai aimé nous dire qui côté ça écrit dans la profession. Les gens qui ont fait une interview avec les gens, même s'ils ne parlent pas de l'information, je dis aujourd'hui que ça, c'est une information qui est bien, ou une matière pour parler de la radio. Ce n'est pas journaliste-là qui pour adjoindre le public là. C'est les préférences publiques là qui pourraient être moins journalistes là. Mesdames, messieurs, monsieur le bâtonnier Eva Suprice, maître Ezekiel Baval, madame Flore, maître Joël Sénat, pour me citer ça seulement, qui devait dire nous, reste là. Et en pile problème aujourd'hui. Formation que nous baillons dans cette tête, ce n'est pas seulement pour les gens capables de travailler dans la radio, pour les capables de travailler aussi dans la télévision, ou même pour les capables de travailler dans le journal, pour capables de travailler dans l'ONG, pour capables de travailler dans l'institution privée, pour capables de travailler aussi dans l'État. Cette tête, ce n'est pas une canarie. Mais c'est une source vite prend part pour mettre la caille. Merci avec toute la radio
télévision, ONG, ni institution privée ou publique qui a cédé les étudiants comme salaire. Merci aussi avec Saki, Radio, directeur média, directeur institution ONG, qui a demandé le monde et qui permet aussi de nous employer stagiaire. Félicitations pour tout professeur qui, de grande qualité, qui a cédé la groupe dans cette tête. Ma cité maître Emmanuel Jubis, bâtonnier de l'ordre d'avocat, maître Marcelo, maître Ezekiel Babal, maître Anthony Généon, maître Ewald Jean-Jacques, maître Buto Jean-Hen, maître Jeannot Jean-Durand, maître Gilbert Jean-Augustin, maître Joël Sénat, maître Cérémonie, maître Louis, maître Patrick Nord-Rouillon, maître Vera, Pierre Richard Satune, Samuel Clergy, Christelia, Roosevelt Adélescent, maître Jean-Latine Dieu, Winchel Augustin, etc. Professeur Sayo, ma cabine de République, il y a un pile bête. Il y a pas de bête dans cette tête. Ou même il y a une formation équilibrée en communication, en journalisme, en hôtellerie et tourisme, en réceptionniste et secrétariat. Vina copie tout pour capable de ramasser dans l'océan cette tête. C'est corps qui a fait mal, vite plein, vite plongé dans l'océan pour arriver. Raphaël Walumunga, le journaliste congolais, écrit: la vérité, c'est la vie du journalisme et la neutralité, son compagnon de lutte. Chers récipiendaires, le moment est venu où vous allez vous éparpiller à travers différents médias et autres institutions. Faire compte de sagesse et de bons collaborateurs en mettant en application les principes de base que les professeurs vous avez inculqués pour faire de vous des journalistes et des communicateurs sociaux. Les politiciens de toute tendance vont vous marchander. Attention, vous êtes journaliste, oreille et œil de la population. Il y a de grands dossiers qui vous attendent. C'est à vous de savoir comment les traiter et avec quel intérêt pour ne pas être victime de votre propre erreur. La tâche ne sera pas facile. J'invite tous ceux et celles qui sont intéressés à nous rejoindre à cette tête. Je ne veux pas me répartir de ma lourde responsabilité de remercier de tout cœur même Pierre-Ézéchiel Babal et Madame Provencia Luxama, respectivement parrain et marraine de cette promotion en palais du maire. Ils ont accepté volontiers ce choix en dépit de leur indisponibilité très libre. Et lorsque les étudiants m'ont fait part de la nouvelle et que leurs choix sont portés sur Maître Ézéchiel Babal et Madame Flore, je me suis dit bravo. Car Maître Babal, en tant que doyen du tribunal de première instance des CAI, il est le conseiller de tous les jeunes avocats et un bon professeur à l'université. Il veut du progrès toujours pour les jeunes. Il est toujours prêt pour son département. Quant à Madame Flore, je dis oui. Elle est une vaillante femme, une charmante femme qui travaille dans l'éducation et qui fait son nom. Je remercie Dieu, nos professeurs. Je tiens également à remercier Oudi Victor, le coordonnateur de l'hôtellerie et tourisme, Madame Fedenda Lorena, la secrétaire administrative et coordonnatrice du secrétariat et réceptionniste, les différents partenaires pour leurs engagements
et leur collaboration de tous les instants. Mesdames, messieurs, je vous